commencer dans le lavage et les passages à domicile pour acquérir mon indépendance financière. Et beaucoup plus aussi, j'ai vu que dans ce domaine, beaucoup plus ce sont les hommes qui font ça, surtout le repassage. On voit qu'il y a certaines femmes qui font aussi des dames, mais beaucoup plus, elles s'arrêtent juste au niveau du lavage. Je me suis dit, pourquoi ne pas aussi proposer le repassage? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont tellement occupés par le boulot qu'ils n'ont pas le temps de laver et repasser les habits. Donc, ça serait aussi comme donner un coup de main à d'autres personnes. J'ai eu l'audace d'aller afficher ça sur Facebook notamment. Donc j'ai eu beaucoup d'appels. Il y a des gens qui me disent non, que ce n'est pas un travail à faire, qu'aller laver et repasser les habits des gens, ce n'est pas un travail à faire. Il faut laisser ça. Beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Il y a même des gens qui m'ont dit bon, que ce n'est pas un travail digne. Donc tu viens, je vais te donner un travail digne. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Et il y a même des gens qui me disent non, que tu es une très belle femme, tu ne peux pas faire ça, tu laisses si tu veux. Si tu as besoin d'argent, je peux te donner. Il y a des gens qui m'ont dit de ce genre de choses. Bon, ce sont des genres de paroles qui peuvent un peu choquer, je peux dire ça. À domicile, le repassage, et s'il y a des cérémonies, il y a des gens qui font des cérémonies et qu'après les cérémonies, il y a des vaisselles qui sont sales. Donc voilà, je peux venir faire laver ça. Et donc je compte dans l'avenir à employer aussi des gens pour ce divers service. Oui, moi, comme vous.